J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans mon petit espace avec mon petit sapin de Noël argenté. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon tarot, celui que j'ai créé, celui que je vais lancer dans pas longtemps du tout. Je vais vous expliquer ça en fin de vidéo. Là, je vais vous montrer les illustrations. Donc, je vais vous montrer mon tarot. Voilà. Donc, ce tarot, déjà, vous allez en connaître le nom, enfin. Je vais vous dévoiler le nom quand même, il est temps, je pense. Donc je l'ai gardé secret jusqu'à présent, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai tenu à le garder un peu mystérieux, voilà, jusqu'au lancement pratiquement. Ça me tenait à cœur de faire comme ça. Et puis ben, je vais vous en parler un peu et puis je vais vous le montrer. Donc peut-être que je vais tourner la caméra pour bien vous montrer les illustrations, je pense. Mais déjà je vais vous montrer quelques bricoles comme ça. Le Moana Dreams Tarot, The Moana Dreams Tarot. Alors pourquoi Moana? Parce que Moana est ma fille. Voilà, ma fille que j'aime profondément, avec qui je suis fusionnelle. C'est l'amour de ma vie et elle m'a inspiré cette création en fait. Voilà, parce que ben, on est très proches et quand j'ai commencé à canaliser les illustrations de ce tarot, donc complètement dans le désordre, hein, la première que j'ai fait c'était le page découpe, mais vous allez voir que j'ai changé certains noms de cartes, etc. Mais ça ne sera pas compliqué du tout, je vois certains qui s'inquiètent, non, non. Donc en fait voilà, j'ai commencé à dessiner le page découpe un jour comme ça, voilà, j'ai pris mon crayon, il fallait que je dessine ce que je voyais dans ma tête, donc hop, j'ai fait mon dessin, et j'ai commencé à en faire 1, 2, 3, voilà, donc ça date d'il y a presque 2 ans maintenant, puisque j'ai commencé ce projet il y a 2 ans on va dire, j'ai commencé à y penser il y a 2 ans, donc j'ai mis 2 ans à le confectionner. Et aujourd'hui, donc il y a quelques jours, j'ai reçu le jeu test. Voilà, donc quelques-uns de mes amis très très proches en ont été informés, ont reçu quelques photos. et du coup, ils m'ont dit ah ben écoute, c'est vraiment sympa. Vivement que tu nous fasses la vidéo. Et puis que tu lances ton projet, on est derrière toi, etc. Donc déjà, voilà, ça me fait chaud au cœur, je les remercie, ils savent qui ils sont. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et donc j'ai décidé de prendre le temps là de faire cette vidéo pour vous le présenter et vous en parler. Donc en fait, je lui ai mis un titre en anglais comme presque tous mes jeux parce que vous savez que la langue anglaise compte beaucoup pour moi. J'ai vécu aux États-Unis, c'est quelque chose qui compte énormément. Je suis bilingue et c'est une langue que j'ai la chance de pratiquer tous les jours puisque je communique avec des gens à travers le monde qui sont anglophones. Et donc c'est une langue que je compte continue à pratiquer tous les jours en fait, pratiquement. Voilà, donc c'est une langue qui me plaît, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que certains vont dire encore un titre anglais, mais je vous pardonne, voilà, c'est pas grave et la critique est normale et constructive. Et ma fille étant comme moi, elle parle déjà plusieurs langues, donc du coup, c'était logique que le titre soit anglais. D'ailleurs, je lui ai demandé son avis. Elle a eu son avis à... En fait, elle m'a donné son avis à plusieurs reprises. Déjà pour le titre, donc anglais ou français. J'ai failli l'appeler le tarot du rêve de Moana. Et je lui ai dit, je te propose ça ou The Moana Dreams Tarot. Elle a choisi la version anglaise que j'ai donc respectée parce qu'il est aussi dédié à elle, ce tarot. Et donc c'est une édition limitée que j'ai appelée Amethyst Limited Edition parce que le dos est violet en fait. Violet parce que c'est notre pierre préférée à toutes les deux. Au début le dos était bleu et en fait ma fille elle m'a dit non je voudrais qu'il soit violet. Donc du coup j'ai dit ok on va voir, on va tester. Et puis finalement c'est le violet qui a remporté les suffrages. Voilà. Donc c'est un tarot qui a une taille peu conventionnelle. D'ailleurs, je vais m'outiller de deux tarots pour vous montrer la différence de taille.
Je vais prendre le Goliath tarot que beaucoup de gens possèdent et je vais prendre un tarot classique de taille normale. Comme ça, vous verrez la différence avec les deux tarots que je vais vous montrer. Voilà, donc il arrive dans une boîte rigide. Donc là, c'est le devant. Là, c'est le dos. La boîte, elle est simple, elle est blanche. Donc, blanche, c'est blanc et violet, en fait. Donc, je vais vous lire le texte qui est au dos. Le tarot du rêve de Moana va vous transporter dans un univers à nul autre pareil. À travers ses illustrations colorées, Angel Taena vous invite au voyage dans un monde magique et poétique qui lui ressemble. Un tarot original qui vous délivrera des messages précis, tout en douceur et délicatesse. Ces cartes zen sont un merveilleux compagnon de route pour vos tirages, méditations et rêveries. Voilà le petit texte qui est au dos. Donc, je vais vous montrer ensuite les cartes une fois que j'aurai tourné la caméra. Donc, juste un petit mot sur la qualité. Donc, ça, c'est la carte de présentation. Voilà, donc je l'ai dédicacée à ma fille. Alors, au niveau de la qualité, j'ai choisi un carton qui est de 330 grammes, donc qui est suffisamment épais, mais qui garde quand même une certaine souplesse pour qu'on puisse les mélanger comme il faut, parce qu'elles sont quand même plus grandes que la normale. Hein, voilà, c'est pas un tarot de taille classique. Donc voilà, ça c'est le dos. Ciel étoilé, mais qui tire donc sur le violet en fait. Donc les cartes sont mates, vous le voyez au spot, il y a un léger finish brillant, mais elles sont mates. Donc ça c'est la première chose, et puis pour le reste, eh ben, on va passer à la caméra qui se tourne, comme ça vous allez voir donc les illustrations de ce jeu. Et donc, avant que j'oublie, oui, il y a 83 illustrations, parce que vous allez voir que j'ai fait des cartes supplémentaires, donc il y a deux majeures en plus, qui sont donc numéros 22 et 23. Et il y a aussi des cartes que j'ai fait deux fois et n'arrivant pas à choisir, je vous les ai proposées dans le tarot pour que vous puissiez soit toutes les mettre, soit en choisir certaines. Donc voilà, il y a des petits bonus dans ce tarot. Il y a déjà 80 cartes, puisque 78 plus 2 majeurs, ça fait 80. Et il y a 3 cartes supplémentaires. Et donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, je reviens tout de suite. Me revoici, me revoilou. Alors, donc, le Moana Dream Tarot. Donc, il arrive dans une boîte rigide. Ça, on l'a déjà vu. Hop, hop, hop. Donc, elle est classique, blanche. Donc, elle sera numérotée et signée, bien sûr. Alors, ça, donc, c'est la carte de présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, 83 cartes. 83 illustrations, 83 cartes. Donc, le dos. Et... alors, avant de démarrer, donc on va comparer un peu la taille. Alors, je vais essayer de surélever ça parce que sinon, je crois que ça va pas marcher. Donc, par rapport au Goliath, par exemple, qui est un grand tarot, voilà où je me situe. Donc, il est quand même grand, hein, mais bon, on a quand même beaucoup moins de cartons, quoi. Donc, ça, c'est par rapport au Goliath. Et par rapport au Naked Heart Tarot, par exemple, qui est un tarot normal... donc, vous voyez qu'on dépasse un petit peu ici et qu'on dépasse pas mal quand même. Voilà, donc il n'est pas énormément plus long, mais il est quand même plus large. Pour vous donner une idée. Voilà, comme ça, comme je sais que ça va m'être demandé, ça se voit peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, nous allons commencer avec les majeurs, n'est-ce pas? Donc... déjà, la carte du fou que j'ai renommée l'exploratrice. Donc, vous voyez que la numérotation est en haut, le titre est en bas pour les majeurs. Donc, l'exploratrice, pourquoi? Parce que le fou explore pour moi, hein, voilà. Donc, j'ai voulu que ce soit une chamane. Enfin, j'ai voulu. Disons que j'ai canalisé... vous allez rire, je pense, mais je crois que je l'avais déjà dit en plus. J'étais dans mon salon en train de travailler sur mon ordinateur. Et puis, j'ai canalisé, en fait, l'image d'une chanteuse danoise qui s'appelle Aura Dion. Donc, elle a un prénom magnifique, Aura, comme Laura.
J'ai canalisé en fait une image de cette chanteuse dans un de ses clips, et c'est pour ça que j'ai dessiné en fait ce personnage. Donc c'est ça qui m'a été montré pour dessiner le fou. Et donc voilà, je l'ai renommée l'exploratrice. La petite explication, c'est ça. Donc un deck qui est féminin quand même. Voilà, puisque j'ai féminisé mon fou. Mais bon, après, il y a des messieurs aussi, hein. Donc le chaman pour le magicien. Voilà, donc un côté amérindien, mais on retrouve quand même de la symbolique du rider. La grande prêtresse, là, c'est pareil, on retrouve la lune, on retrouve les piliers, on retrouve les grenades. Donc voilà, on a quand même une symbolique qui suit le Rider-Waite. L'impératrice, avec un côté celte, et l'empereur, le petit couple. Voilà. Avec le symbole de Vénus, de Mars ici, donc on a le blé, l'abondance, le ventre rond pour la créativité. Voilà, bon, on suit quand même la symbolique toujours du rider, hein. Pour la plupart des cartes. Alors là, on a le sage qui représente le hiérophant. Donc, bon, on a ce côté méditation, on a ce côté tranquille, voilà, avec les bols, avec tous les symboles des chakras dessus. Donc un côté zen, donc je l'ai voulu différent, le hiérophant. Voilà, c'est un moine tibétain en fait, avec un lotus or. Les amoureux, donc il y a un peu de nudité, hein, ça reste un tarot. Les chevaux sauvages, donc ils vont représenter le chariot. Donc voilà, qui ne regardent pas forcément dans la même direction, comme on peut le voir. Et puis des chevaux sauvages avec des couleurs un peu fantastique, hein, c'est voilà, ils sont pas classiques, hein, ces chevaux. La force. Bon, je vous fais une présentation rapide, hein, c'est pas, je rentre pas dans le détail de chaque carte. Je vais me concentrer pour le guidebook maintenant. L'ermite. Et il me plaît l'ermite. Hein. La roue. Donc là, on retrouve toutes les fêtes du calendrier païen. Voilà, avec des petits symboles chaque fois. Pour représenter la fête en question. Donc on est bientôt à Yule avec le hou. Puis on a quand même ce côté toujours du rider, hein, quand même, qui est présent par ses représentations. La justice. La femme suspendue. Donc voilà, le pendu est devenu la femme suspendue. La mort. Alors pour la mort, j'ai fait deux cartes en fait. Donc c'est celle-ci, la première, c'est celle qui est dans le jeu. Et celle-là qui donc se retrouve être une carte en plus. Donc vous aurez le choix de laisser celle-ci ou de mettre celle-ci en fait. Voilà, tout simplement. Une s'appelle la mort, une s'appelle la transformation. Mais on retrouve ce côté mort et transformation avec le papillon. Chaque fois, la rose rouge, voilà. Ça sera comme vous le souhaitez. La tempérance, la sirène qui représente le diable. Vous savez, la sirène qui envoûte les marins et qui va les... Alors attendez, je vais tourner ça parce que ça brille. Voilà, c'est mieux. Oui, qui va envoûter les marins par son chant et puis les attacher. Hein, elle va les hypnotiser, donc voilà, c'était un diable parfait, c'est comme ça que je l'ai canalisé. La tour de galet, avec le Luna Moth qui s'envole, et il y a l'éclair qui va tomber sur cette tour, on voit les bambous qui plient comme ça. Celle-là aussi, c'est pareil, je me suis dit, mais ma foi, une tour de galet avec des bambous, c'est bizarre, et puis bon, après, quand j'ai commencé à la faire... Ben non, j'ai trouvé ça logique finalement. L'étoile, donc là on retrouve un petit côté celte avec le dolmen. On a le corbeau, la magie du corbeau là, dans l'arbre. Cette fameuse étoile qui éclaire comme ça là. Voilà, c'est une de mes favorites celle-ci. Je l'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Et ces deux-là aussi, le soleil et la lune, qui se donnent un peu le change. Hein, voilà. Une qui est très solaire avec comme des flammes sur ses cheveux, puis l'autre très lunaire avec le Luna Moth justement. Puis là on a un papillon diurne, donc très féminin. L'éveil, encore une fois un côté zen. L'univers. Et on a deux cartes supplémentaires pour les majeurs. Donc on a la destinée et avec la voyante. Et puis on a le chat lunaire.
aussi. Donc en 22, le chat lunaire, et en 23, la destinée. Voilà. Donc ça, ce sont deux arcanes en plus. Voilà, parce que j'ai souhaité le faire comme ça. Voilà. Allez, on va regarder les coupes qui sont renommées, les bols. Donc toutes mes suites ont été renommées et tous mes personnages de cour aussi. Donc là, je ne sais pas si du coup vous y voyez très bien. Bon, je vais faire ça comme ça parce que sinon ça m'embête. Alors, on a l'as des bols, donc. Le 2 des bols. Le 3, avec le côté festif, les coupes de champagne. Donc ça, ça représente moi avec deux de mes amis qui, j'espère, passeront par là. Je vous fais des bisous, les filles. Le 4 des bols, qui représente ma fille quand elle boude, boude, boude très fort. Alors, elle n'était pas contente que j'ai la seule carte qui la représente vraiment est une carte où elle boude. Mais encore une fois, c'est comme ça que j'ai canalisé le jeu. Donc, voilà, je n'y peux rien. Et puis finalement, sur le coup, elle n'était pas contente. Et puis après, elle m'a dit non, ça va, finalement. Voilà, le 4 des bols. Le 5 des bols. Le 6 des bols. Alors là, vous avez aussi deux cartes. Donc là, on a la nostalgie avec cette petite larme qui coule. Et puis, donc le thé à la rose d'antan qui est servi dans ces tasses. Et puis, on a le côté vraiment de l'enfance. Pour ceux qui sont vraiment nostalgiques de l'enfance, j'ai souhaité faire cette carte. Alors ça, c'est à la demande de ma fille, en fait, qui souhaitait que cette carte soit illustrée avec Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'avais fait une première carte qui, finalement, ne me plaisait pas. Et donc, j'ai finalement fait celle-ci. Voilà. Le 7, avec mon chat Cookie, qui m'a inspirée. Le 8, avec un côté Harry Potter, un peu. Le 9, côté zen qui ressort beaucoup, beaucoup. Le 10. Et là, on a les cartes de cour, donc qui ont été renommées aussi. Alors, on a l'artiste des bols pour les pages. Donc, tous les pages sont des femmes. Les chevaliers des hommes, les reines des femmes et les rois des hommes. Mais ils ont été renommés. Donc, le page, c'est l'artiste parce que ça exprime toujours le besoin de créer, de s'investir, la jeunesse, le dynamisme, etc. Donc, je l'ai voulu comme ça, en fait. C'est un peu foufou, les artistes. Donc, ça allait bien avec le page. Le nomade, il se déplace, donc ça me semblait logique en fait de l'appeler comme ça. La guérisseuse des bols pour les reines, les guérisseuses, ce sont toutes des guérisseuses. Et puis l'enchanteur pour le roi, l'enchanteur des bols. Donc lui, il a un côté un petit peu polynésien, voilà, on ne sait pas trop d'où il vient, mais il fait penser aux îles un peu. Il y a un peu de tout, hein. On retrouve l'Inde, on retrouve les îles, voilà, j'ai voulu quelque chose de varié aussi, c'est comme ça qu'il m'a été dicté, donc voilà. Alors ensuite, je vais prendre juste, voilà, ça on verra après. Donc là on a l'as des feuilles, donc les feuilles ce sont les pentacles comme vous le voyez. Et donc, bah les feuilles, parce que les pentacles sont reliés au monde matériel, à la nature. Donc voilà, ça me semblait aussi logique. Le 2 des feuilles avec le Luna Moth encore. Donc là, on a cette notion d'équilibre ou de déséquilibre, hein, selon. Le 3 des feuilles. Le 4. Alors celle-ci, quand elle a popé dans ma tête cette illustration, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Une espèce d'enfant clown avec des cheveux ébouriffés tout rose, un air un peu contrarié. Je voyais pas trop comment j'allais pouvoir mettre ça dans le cadre des pentacles. Et puis finalement, c'est tombé sous le sens quand j'ai commencé à la griffonner, celle-là. C'est une carte que j'ai réalisée assez vite. Parce que je l'ai vraiment canalisée très clairement, celle-là. Le 5 des feuilles, donc on retrouve le côté amérindien. Voilà, la maman avec son petit bébé qui traverse la tempête, hein, le manque, plein de choses difficiles, mais pour mieux repartir par la suite. Le 6 des feuilles, donc là on est dans la générosité du 6 des pentacles avec la belle Isis.
Le 7. Voilà, il y a encore du boulot. Ils ne sont pas égaux. On voit qu'il y en a des plus petits que d'autres, etc. Il y a encore des choses à accomplir pour que ce soit parfait. Le 8 des feuilles. Donc là, ça a pris son envol. Ça me fait penser au Reiki, en fait, ça. La position des mains comme ça. C'est pour ça sûrement que j'ai dessiné ça, je pense, par rapport au Reiki. Le 9 des feuilles. Le 10. Alors là, c'est pareil, vous avez deux cartes. En fait, j'en ai dessiné une que j'ai foutue à la poubelle. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Et puis, ils avaient les yeux fermés. Je me suis dit, ah, mais non, il faudrait qu'ils aient les yeux ouverts. Donc, j'ai fait celle-là. Et puis, finalement, j'ai pas pu m'empêcher de mettre celle-ci. Donc, voilà, ils sont un peu différents. Hein, un peu différents, mais j'aime bien les deux. Donc, voilà, je laisse les deux. Le fond n'est pas le même. Après, vous pourrez choisir. Et donc, on a l'artiste des feuilles. Le nomade des feuilles. Donc, très, très ancré à la nature, cette série-là. La guérisseuse et l'enchanteur des feuilles. Avec un côté un peu androgyne, un peu queer. Voilà, c'est un homme très féminin, en fait. Mais c'est pareil, je l'ai canalisé comme ça. Et puis, je crois que profondément, j'avais envie que ce tarot parle à tout le monde, en fait. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas en fait, qu'il parlera vraiment au plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous apportera de jolies choses sur votre parcours. Alors on va passer aux bâtons qui sont les branches. Donc chaque fois on a le bâton, la branche avec un cristal, pour la plupart du moins, parce que vous savez que j'aime beaucoup les cristaux. Et là on retrouve mon animal totem, le renard. Et alors je l'aime, hein, ce renard. Oh, je vous dis que lui, vraiment... Je le kiffe. le 2 des branches, avec la sorcière qui regarde la terre de la lune. Le 3 des branches, un petit côté magique. Là encore, on retrouve beaucoup ce côté aussi sorcière qui m'est cher. Le 4 des branches, donc ça m'a été inspiré vraiment par la relation que j'ai avec ma fille, hein, cette stabilité qu'on a construite toutes les deux. Le 5 des branches, le 6 des branches avec la petite sorcière, la petite witchy, le 7 des branches avec la main de Fatima, le 8 des branches, le 9 avec le papillon sphinx tête de mort, voilà, qui est un papillon particulier parce que il a la particularité de crier pour se défendre. Il émet un son, en fait, pour faire peur à ses ennemis. Et du coup, ça m'a fait penser au fait de se protéger comme ça, de se blinder, de rester vraiment entouré comme ça de ses bâtons pour se protéger. Puis on a aussi ce feu comme ça pour pas qu'on s'approche trop, hein. Donc voilà, c'est ce qui m'a été soufflé, inspiré. Le 10 des branches. Et puis on a l'artiste des branches, le nomade, la guérisseuse et l'enchanteur. Voilà, et on va passer aux épées qui sont les plumes. Donc l'as des plumes représenté par l'aigle, le 2 des plumes. Alors il a un côté moderne, un côté un peu enfantin, un côté... fantaisie, je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Le 3 des plumes. Alors celle-là, je l'ai créée dans une souffrance vraiment particulière. J'étais vraiment très très mal le jour où j'ai fait cette carte, en fait. Et voilà, bah, je pense que ça ressort. Le 4 des plumes. Le repos, le répit, la méditation aussi. Le 5 des plumes. Alors, j'en avais fait une autre pour cette carte-là. Mais en fait, c'était celle-là qui m'était vraiment dictée. Et du coup, je l'ai carrément changée. Je me suis dit, non, ben, c'est celle-là, quoi. C'est vraiment celle-là que je dois faire. Donc, je l'ai refaite avec l'araignée. Voilà, les flèches qui vont dans la trappe-rêve, comme ça. Les lunes. C'était comme ça que je devais la faire. Le 6 des plumes avec l'hirondelle qui part vers le soleil, là, qui s'éloigne des tumultes un peu. Le 7.
le 8 avec des couleurs flashy un peu, le 9 des plumes, avalé toute crue par son angoisse. Mais bon, on a un petit côté licorne quand même, donc voilà, il y a de l'espoir quand même, un peu. Le 10 des plumes, voilà, avec un côté un peu japonisant. Et on retrouve des symboles du Japon, hein, le symbole dans le cou, la libellule. Elle représente une geisha, fleur de cerisier, voilà. Très, celle-là, c'est vraiment, ma fille adore le Japon, elle voudrait y aller, donc je pense que c'est pour ça que j'ai été inspirée par le Japon. Et puis on a l'artiste des plumes, le nomade, la guérisseuse, inspirée par une de mes amies, très chère à mon cœur aussi, et l'enchanteur des plumes. Voilà, donc là, vous les avez toutes vues. Donc, 83 cartes, format jumbo size, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, les tranches sont normales, il n'y a pas de doré, rien de particulier. Elles sont de très bonne qualité, je suis très très contente du résultat. Voilà, ça me ravit le cœur de voir enfin ce tarot exister dans mes mains. Donc, évidemment, vous le verrez sur la chaîne. Et donc, ben, les précommandes, je vais vous les annoncer juste après la vidéo, je pense. Donc, voilà. Attendez-vous à ce que ça arrive assez rapidement, parce que je vais vous faire une petite surprise, on va dire, pour Noël. Comme donc on est à la période des cadeaux, je vais lancer ce tarot avec un prix préférentiel Early Bird, donc un prix qui s'arrêtera le 31 décembre. Donc vous pourrez toujours précommander le jeu à partir du 1er janvier et ce jusqu'à la fin du mois de janvier, mais à un tarif plus élevé. Voilà. En gros, si vous le commandez entre le premier jour de précommande et le 31 décembre, vous économiserez 10 euros. Donc c'est pas rien quand même. Voilà, je ne pouvais pas faire plus parce que c'est impossible. Vous savez que ce sont de petites productions et qu'il y a beaucoup de frais associés. Moi, je travaille avec un producteur étranger pour le moment, du moins, donc j'ai des frais de douane et des frais de port qui sont très conséquents et que malheureusement, je suis obligée de répercuter dans le prix du jeu. Mais voilà, j'ai voulu vous faire plaisir à travers ces fêtes de fin d'année et vous proposer un prix préférentiel. Donc, ben, restez connectés. Si vous êtes intéressé par ce jeu, donc le guidebook sera démarré début janvier au niveau de l'écriture. Voilà, donc il me faudra le temps nécessaire pour l'écrire, mais il sera prêt en même temps que le tarot vous sera expédié de toute façon. Voilà, donc ça sera un format PDF qui vous sera proposé. Et donc, le tarot, normalement, devrait être livrable, on va dire, courant de l'été 2020. Donc, voilà. Donc, les précommandes cesseront le 31 janvier 2020. Et ensuite, le temps de tout préparer, de vous préparer un joli guidebook avec des explications de pourquoi cette carte, pourquoi ces symboles, etc. Voilà, ça devrait être livrable pour l'été 2020. Donc j'espère que ça vous plaît, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis j'espère que vous serez nombreux à soutenir ce projet qui est vraiment pour moi la concrétisation de mes créations artistiques, parce qu'un tarot, je n'aurais jamais imaginé créer un tarot, je vous le dis franchement, un oracle, oui, parce que ça, c'est vrai que j'en ai déjà fait plusieurs, et puis c'est très différent au niveau de la structure et des significations. Et donc, je n'imaginais pas du tout créer un tarot. Et puis, ben, il est arrivé, voilà. Donc, j'ai travaillé dessus 2 ans pratiquement au niveau des dessins. Et puis, il est là aujourd'hui. Donc, voilà, j'étais très, très heureuse de vous le présenter. My English subscribers or English speakers subscribers, I will do another short video in English for you guys, so stay tuned. I will do that ASAP, and I hope you enjoy this video anyways. Voilà, donc je vous embrasse, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter.
Je lirai avec plaisir vos commentaires et j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très 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 vite. Voilà, de joyeuses fêtes à tout le monde et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres nouvelles et d'autres vidéos. Portez-vous bien, je vous embrasse. Bye bye.